Alors, je m'appelle Célia, j'ai 24 ans et je suis infirmière au CHUV depuis quelques mois. Je dirais que moi, j'ai commencé le vélo toute petite, mais c'était juste un moyen de transport en fait. Et les premiers souvenirs que j'ai, c'est vraiment d'aller depuis chez moi jusqu'à la plage de Rol presque tous les jours de l'été avec ma maman. Et puis, au fur et à mesure, plus je grandissais, plus c'était devenu vraiment pratique pour aller juste à la gare ou aller à l'école et tout, parce que j'habitais un petit peu à l'extérieur d'un village. Et puis, en grandissant, j'ai commencé à apprécier de plus en plus juste le fait de prendre mon vélo et d'aller faire des tours et tout, de me déplacer un peu partout avec. Donc j'ai acheté d'abord un vélo de ville, city bike et tout. Et après, je me suis dit que je voulais vraiment avoir un bon vélo pour faire des grands tours et je suis passée au vélo de course. Et là, depuis, je lâche plus quoi. Là, depuis le début de l'année, je suis à peu près 2000 km parcourus. Et puis j'aime bien jongler soit avec des tours solo, des tours avec des personnes. Je fais souvent les Critical Mass le dernier vendredi du mois à Lausanne. Trop sympa. Avant j'habitais à Rol et puis j'avais beaucoup l'habitude de faire par exemple le marché rue, descendre sur le lac de Joux, revenir par le Molon de rue et tout. La route de la Corniche c'est complètement différent mais tout aussi chouette à faire. Et puis elle permet d'aller autant vers Châtel-Saint-Denis, tout ça, que de redescendre sur le lac, d'aller sur le Valais, enfin vraiment top. Ce qui fait toujours plaisir avec la route de la Corniche, c'est que on y va à chaque fois avec des gens différents, soit tout seul, avec des copines, sur des journées vélo super sympas avec un pique-nique et la vue, ou bien avec le club de triathlon, ce qui est un peu plus challenge, mais toujours aussi chouette à faire. Le Lavaux, c'est quand même très particulier, avec autant t'as la vue sur tout le lac, que t'as les vignes et tout ça, t'as des villages assez charmants, idylliques. Par exemple, le lac de Constance, ça ressemble un petit peu au lac Léman, mais il n'y a pas ce charme des vignobles et tout. Et puis après, c'est pas non plus comparable à aller partir le Puy-l'Aigle et faire des cols, le col de la Croix et tout, parce que c'est d'autres panoramas. Mais tout aussi beau, vraiment, moi j'apprécie autant être par là qu'être un petit peu en Valais et puis avoir la vue sur plein de montagnes. Après, c'est pas du tout les mêmes tracés et tout, mais je dirais que tout est agréable à parcourir à vélo.